je suis Jérôme Jasinski, j'ai 48 ans. Je suis issu d'une famille d'artistes. Mes principales inspirations artistiques viennent pour la plupart de mon grand-père Stéphane, qui était un architecte moderniste et donc qui était dans les influences des maisons contemporaines, mais dans les années 40, hein, donc les premières maisons Van de Velde et des choses comme ça. Le but de mon travail est de proposer des objets visuels puissants avec des influences cinétiques optiques dans la lignée des artistes cinétiques des années 50 à 80, avec évidemment comme référence que tout le monde connaît, qui serait Vasarely, mais pas uniquement. Le travail cinétique ne se résume pas que à Vasarely. Ma matière première utilisée est le bois. Et travailler le bois, ça nécessite un atelier conséquent, des machines conséquentes pour pouvoir le couper, le travailler, faire diverses interventions lors des préparations. Le processus en lui-même est long et fastidieux parce que peindre 400 pièces de bois de petite taille, ça demande toute une préparation, une réflexion pour pouvoir obtenir des résultats optimums à la peinture. Le travail cinétique, le travail optique, ça doit être parfait, les alignements, le placement des pièces. Dans l'art, il y a tout le travail de l'artisanat plus un processus créatif. Voilà, je pense que les deux sont intimement liés et sont complémentaires. Mon esprit quitte un peu mon cerveau ou se libère de mon cerveau et puis part dans diverses directions. Et puis tout d'un coup, il y a des choses qui m'apparaissent, des dessins, des visuels m'apparaissent en tête. Je fais un petit croquis et puis après ça, je me dis voilà, je tiens une base de quelque chose et puis j'essaie de travailler sur ça, de décliner. Il y a toutes sortes d'émotions qui s'entremêlent pendant toute cette période et qui m'apportent finalement quelque chose de bon au fond de moi. Je sens qu'il y a quelque chose de bon. Le processus créatif est intéressant pour ça, hein. C'est que plein d'émotions s'entremêlent tout le temps. Au moment où je recolle tous mes petits blocs de bois pour obtenir la pièce finie, enfin, que je vais voir pour la première fois, et quand il est là, j'obtiens ce que je souhaitais. Là, je me sens terriblement bien. La diffusion de mon travail au travers des réseaux sociaux et le retour que j'en ai par rapport aux gens qui peuvent observer mon travail. Waouh, super, beau, étonnant, hypnotique. Un retour immédiat parce que les gens ont ressenti visiblement une émotion simple mais puissante.